y a la thématique de, bon, d'abord de l'inconnu, des passerelles qui nous mènent vers autre chose. Donc ça peut être inspiré par la mythologie ou par la vie de tous les jours. Quand on est dans des situations où on ne sait pas de quoi demain sera fait, ben pour moi, entre aujourd'hui et demain, il y a une passerelle comme ça qui nous mène vers l'inconnu. Attaché, on va dire, à une certaine diversité. Je pense que le monde actuel est fait d'univers complètement différents, de personnalités très différentes. Et je pense que j'avais envie de montrer ce côté multifacette, que des personnes connaissent ou connaissent pas. Et je voulais justement mettre en avant des choses, peut-être des personnes qu'on voit tous les jours dans la rue, dans la société. Mais là, essayer par la photo d'avoir une petite fenêtre sur ces personnes. Voilà. J'expose des moments choisis dans 7 ans de peinture. En tout cas, il y a deux choses que j'ai envie de dire sur les changements de format. C'est que la première, c'est que j'adore peindre sur des très grands formats. Plus ils sont grands et mieux c'est. Parce que je me sens libre. J'ai une liberté d'expression beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante. Et la deuxième chose, c'est que les très grands formats, comme celui que j'ai derrière moi, je les fabrique moi-même, en passant par les encadrements, l'après de la toile, enfin absolument tout, tendre la toile, etc. Je le fais moi-même. J'ai aussi privilégié un univers contemporain. Voilà, ça c'était quelque chose aussi qui me tenait à cœur. Tout a été fait à Villemur. Pourquoi Villemur ? Parce que c'est un coup de cœur. Villemur a un riche patrimoine, donc je l'ai valorisé à ma façon, avec regard, en utilisant la photo. Voilà. Et du coup, on a fait pas mal de rencontres, notamment une très belle rencontre avec la société Alexandre Frézal, qui nous ont soutenus, aidés, en nous conseillant, mais aussi en nous prêtant des machines, en nous faisant des démos. Enfin, ils ont été fantastiques. Et aujourd'hui, on en est à ça, donc la sublimation. On en est là. Donc on arrive à reproduire des tableaux, comme celui-ci, à le reproduire sur des robes que nous avons cousues, nous. Et donc maintenant, on peut proposer et les tableaux et de la rapporter. Ça, c'est la grande aventure, oui, en effet. Vous êtes venu à Villemur, oui, très content, parce que c'est une riche ville qui a un fort patrimoine. Donc, de le valoriser, c'est bien. Et puis, de valoriser la ville, très content, oui, d'être venu ici. J'ai eu grâce à la mairie, que je remercie d'ailleurs, à tous les intervenants qui ont fait un beau travail. De communication qui nous ont accompagnés dans ce projet. Donc très satisfait d'avoir fait cette première exposition à Villemur.